Tu fous quoi, Fab? Allez, remets-toi au travail. Allez, remets-toi au travail, tranquillement. Allez, tu peux le faire, Fab, hein? J'ai confiance en toi. Tu t'es bien amélioré. C'est très bien. Bravo. Bonjour. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? D'accord, très bien. Vous avez pris rendez-vous, c'est ça? Très bien, sur le site. Oh, ok. Je peux juste. Je vais prendre mon petit carnet de rendez-vous. Il a juste là, il est vert, ça tombe pas. C'est pas ouf qu'il soit vert. Est-ce que vous pouvez juste me dire votre nom, s'il vous plaît, prenez. Non. D'accord. Je vais vous créer un petit dossier, comme ça va vous permettre d'avoir des points supplémentaires. Très bien, votre nom. Ok, c'est ça. Vous avez bien pris rendez-vous. Très bien. Très bien. Ok, votre adresse, s'il vous plaît, monsieur. L'adresse. Super. Incroyable. Très bien. D'accord. Tac au tac. Très très bien. Votre numéro de téléphone, s'il vous plaît. 06 89 32. C'est fait. Voilà. Nickel. Moi, c'est Joshua. Enchanté. Enchanté. Alors, qu'est-ce que tu me fais aujourd'hui? D'accord. C'est la première fois que vous venez. Très bien. Vous avez déjà eu des tatouages avant ou pas du tout? La première fois. Incroyable. Ça va être à même main. Folie, je vous l'annonce. Très bien. D'accord, très bien. Mais c'est super ça. Donc, si je comprends bien, vous voulez faire un tatouage en coney avec votre meilleur copain. C'est bien ça. D'accord. Donc, votre copain a déjà fait le premier tatouage. Et vous? Ça va être un tatouage de complément, c'est ça? Ouais, c'est magnifique. C'est beau, hein? L'amitié comme ça, c'est magnifique. J'aurais aimé avoir un ami comme ça. Sincèrement. Très bien. Mais en quoi consiste le tatouage? Vous avez une idée de ce que vous voulez faire par rapport à votre copain? D'accord, très bien. Intéressant. Vous avez emmené avec vous la photo. La photo de son tatouage et je vais complémenter. Ouais, mon objectif, ça va être de complémenter tout ça. Je peux la voir. Très bien, merci beaucoup. Bon, allez-y, prenez votre temps. Oh, Fabien! Fab! Ah, excuse-moi, Fab. Excuse-moi. Je m'emporte vite une semaine, c'est les nouveaux cachets, oh là. Ouais, je suis désolé. Désolé, Fab. Je suis désolé, Fab. Allez, donnez-moi votre photo. Oh non. Ouais, pardon. Vous êtes sûr que vous voulez ça? Vous êtes sûr que c'est ça? Non, mais c'est pas possible. C'est une plaisanterie. Ben, c'est une cagade, là. Moi, je... Vous êtes sûr que c'est ça que vous voulez? C'est bien ça. C'est lequel votre ami là? Celui-ci, un bleu. Donc un vert, c'est censé vous représenter, c'est bien ça. D'accord, mais je comprends pas. Là, c'est plutôt intéressant quand je vois comme ça. Mais quand je descends un petit peu, je comprends pas l'objectif de ce tatouage. Il y a écrit quoi là exactement? Pro. Effectivement, là, c'est une amitié charnière hein, que vous êtes en train de créer. Ah, c'est vraiment une très... Ah oui, c'est charognard là, on va dire. C'est vraiment ça que vous voulez. Écoutez, il n'y a pas de souci, hein, je peux le faire vraiment par contre. Voilà. Il faudrait que je... Voilà, donc vraiment là, c'est un...
je vais vraiment. Donc voilà, c'est une croisée, ça s'appelle. Ok, la même que là. D'accord, très bien. Effectivement, vous allez revoir, voilà, vous allez être vraiment content du résultat. C'est la première fois qu'on me demande de faire quelque chose comme ça. Je, voilà, j'ai pas envie de vous demander plus de détails. Je vais pas vous cacher que. Bon, voilà. Mais effectivement, je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait voilà, ce que vous recherchez là. Effectivement, attendez-moi 2 secondes. Attendez 2 secondes, c'est un dessin assez simple, assez simpliste. Effectivement, la difficulté va être au niveau de 10, je pense. Il faudra bien que je réalise une espèce de. Comme je l'ai dit. Ici, une espèce de. D'une chevêtre main de Sissi là. Et ouais, enfin, faut le dire comme ça, je pense. Faut le dire comme ça. Effectivement, les cheveux, vous les voulez comme ça, assez brouillant. Hein. Des cheveux assez brouillants. Là, vous allez. Je suis désolé de vous dire, mais là. Ah, je l'ai. Je le visualise très très bien. Donc, oula, la petite mèche, elle est partie là. Ouais, c'est comme ça. Hein. C'est. Bon. Ok, je visualise bien. Et le bro en face. Le bro tout en bas, on le met, c'est ça. Ok, très bien. D'accord, très très bien. Écoutez, on va commencer tout de suite si vous le permettez. C'est la première fois qu'on me demande de faire ça. Je suis assez estomaqué par le dessin. Mes mains sont bien lavées, vous pouvez le voir. Maintenant, ce que je vais faire. Allez, alors je ne vous ai pas demandé, mais là, le dessin, le tatouage. Vous voulez le faire où exactement? Sur le corps. D'accord, donc c'est plutôt un petit, d'accord, au niveau des mains. Carrément au niveau du poignet, ça va être vraiment visible. Hein. Vous êtes sûr de vouloir le faire ici? Putain, ok, y a pas de souci, y a pas de souci. Je vais vous désinfecter un petit peu donc la zone. Bon, excusez-moi, je n'ai que ça, hein. Je n'ai que du synthol. Je pense que ça ira complètement, sincèrement. D'accord. Allez, c'est testé dermatologiquement, il y a écrit ici. Donc, ben, il n'y a pas de risque. Un peu plus droit à votre main, s'il vous plaît. Le plus important, ça va être de ne pas bouger lors de l'exécution du tatouage. D'accord. C'est le plus important, sinon votre zizi il va partir un petit peu. Partira en arrière, votre zizi, il va partir un petit peu en accordéon, et je pense pas que c'est le but, d'accord. Le but c'est d'avoir un zizi qui soit bien droit, d'accord, un zizi qui soit perpendiculaire à l'autre zizi. Ah, excusez-moi, je m'importe quand ça parle de zizi. Bon, allez, c'est parti. Tout est ok, je vais prendre un petit peu de sopalin, bien sûr, pour vraiment. Avoir une zone complètement délimitée.
passer. Vous inquiétez pas. Moi, ça fait longtemps que je suis du métier. Hein. Bien sûr. Moi, ça fait 4 jours. Ouais, excuse-moi. Enfin, j'étais pharmacien. Fab! S'il te plaît, Fab, ne parle pas en même temps que je parle. Merci, Fab. T'es le meilleur. Effectivement, avec mon alcoolique Fab, j'étais effectivement même pharmacien. Bon, ça a duré que 2 jours. Bon, vous inquiétez pas. Allez, on est parti. Je prends même ma petit matériel. Donc voilà. Ça va se passer comme ça. Hein. D'accord. Effectivement, ça c'est en titane britannique. Donc avec ce genre de produit, vous inquiétez pas hein, pour la robustesse et pour la qualité. Y a pas mieux. Hein. Je l'ai acheté où? Je l'ai acheté sur AliExpress. Effectivement, ça a pris longtemps à venir, 2 mois. Mais ben, ça en valait le coup, je pense. On va l'inaugurer. Hein. C'est la première fois que je l'utilise. Bon, allez, on est parti. On est parti. J'ai bien le dessin en tête. Le dessin est vraiment ancré. Moi, je vous le remontre. Êtes-vous sûr, vraiment, archi sûr, vouloir faire ce dessin-là? Il faut pas bouger s'il vous plaît, ça va durer, ça va être très rapide. Pourquoi? Parce que je suis un expert en ici de 1 et de 2, c'est un dessin comme je l'ai dit enfantin. D'accord, qui dit dessin enfantin dit que c'est très facile pour moi, pour un professionnel comme moi. Parle de 1, c'est vrai, je dois parler plus doucement, je suis fortement désolé. Je vais pas parler beaucoup lors de ce dessin, d'accord? Je vais essayer de concentrer au maximum. On est parti, monsieur. Allez, passez à votre dessin. Alors, effectivement, le dessin est quasiment terminé. D'accord, comme je vous l'ai dit, c'était un dessin très facile. Très très facile pour moi, donc c'est quasiment terminé. Le plus compliqué, ça a été au niveau du sisi. Mais voilà, je dois juste rectifier un petit peu avec une petite gomme. Super, il est parfait. D'accord. Ouais, vous pouvez regarder, hein, pas de soucis.
je dis ça, pour moi c'est pas très compliqué les dessins comme ça. Moi je suis super content que ça vous a plu. Bah, ça me fait plaisir. Quelle amitié. Quelle amitié. J'ai pas les mots pour décrire votre amitié avec votre copain. C'est incroyable. C'est charnière comme je l'ai dit. C'est magnifique. Ça unit, vous unissez. Incroyable. Bonjour madame.